Imagine. Imagine, tu ne te fais pas insulter. Imagine, tu as le droit d'être heureuse. Imagine, tu n'as aucun complexe. Imagine, cette boule au ventre disparaît. Imagine, tu n'as plus peur. Mais seulement, imagine. La pire chose que quelqu'un ait à vivre, le complexe. Franchement, regarde-toi un peu. Des paroles tellement dures à entendre que le déni s'empare de nous. Est-ce qu'elle s'est vue, sérieux? On pourrait peut-être faire du sport. Ils ont raison, tu devrais t'y faire. Est-ce qu'ils ont vraiment raison? Dois-je vraiment accepter cette réalité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Vous vous souvenez de moi? Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Nous avons tous été témoins du harcèlement qu'a subi Alicia. Est-ce que vous auriez agi? Ce sont bien des questions qu'on pourrait se poser, car moi-même je n'ai pas bougé. Nous sommes tous restés spectateurs face à la détresse d'Alicia, et pourtant notre aide aurait pu changer la donne. Vous voyez la personne qui suit Alicia pendant tout le film? Elle représente ses pensées. C'est cette petite voix qui la pousse au suicide. Le harcèlement pousse à l'isolement, et sa petite voix dans sa tête lui fait croire que c'est elle le problème, alors qu'en réalité, ce sont les harceleurs qui sont la cause de sa sévère dépression. Cette dépression non prise en charge pousse vers le geste fatidique. Nous sommes dans le cadre d'un film, mais imaginez que vous voyez une personne seule face à cette situation. S'il vous plaît, n'attendez pas qu'il se passe quelque chose, allez voir cette personne. Ne fuyez pas, parlez-en autour de vous, chaque geste compte, des vies sont en jeu. Si vous avez besoin, composez le 3018 ou le 3020. Ce sont des numéros nationaux qui viennent en aide aux victimes de violences, de harcèlement physique ou numérique. C'est totalement gratuit et anonyme. Il existe aussi le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. Maintenant, fini d'imaginer. Il est temps d'agir, n'est-ce pas ?